Yes. Salut. Oh putain, énorme. Alors attendez, waouh. Je me fais raid. Ah, ils arrivent. Oh putain. Ah, quelle entrée en scène. Zerator. Oui. Tu vas devoir boire dans mon biberon. Il y a quoi dedans? Il y a de l'eau. Ok. Ça peut aller du coup. Tu gagnes quoi en échange? Non, on a eu un donation goal et ah là, ouais, c'est tout. C'est fini. Il tète bien. Marche pas très bien. Ah, il faut... Ouais. Faut bien pomper quoi. Ah bah bien sûr. Merci beaucoup Zera. Mais tu le laves évidemment entre chaque utilisation. Non, celui-là était neuf. Ah, j'ai de la chance, ouais, je passe en premier. Il était neuf. Plaît-il? On s'en va. Remonte sur ton véhicule. Très bien. Pas de problème les amis, n'hésitez pas. Et c'est quand t'as dégustation d'eau, je sais pas quoi là? Tu veux vraiment que je parte pendant? Ouais, vas-y. En fait, on va attends, faire une dégustation d'eau pétillante parce que Sardoche boit beaucoup d'eau. Oh, c'est génial. Pétillante, et moi aussi. Et du coup, on s'est dit... Putain, mais ce serait hyper cool qu'on fasse une dégustation à l'aveugle et qu'on doive deviner la marque d'eau pétillante. J'y arriverais, tu penses? Ah, moi je pense pas. En plus, il a ramené des marques que je bois pas trop, genre Vichy, Kezak et tout. Moi je sais plus si ça t'est le don, ça s'appelle Grino Perrier. T'as vu, je parle comme un connaisseur. Donc ça va être amusant. Bon, je retourne là-bas. Ouais, on t'a emmené très loin, je suis désolé. Non, tranquille, je reviens. Ouais, je reviens. Oui, je te texto. On voit que là, vous voyez derrière là-bas, il y a Domingo, Loclear, Luti, Jiraya, ça se pousse et ils sont en train de faire une course de chaises. Et ils ont fait une ligne d'arrivée en câble réseau. Alors ça, c'est extrêmement con. Voilà. Parce que si c'est un câble réseau qui sert à amener Internet, eh bien, c'est fini. L'événement est terminé. 3, 2, 1, go! Victor de Jiraya et Domingo, Lucas et Locke dernier. Hein. Ah, il y a eu triche apparemment. Oh. Il y a eu triche. Domingo, il m'a retenu avec son bras et il a gagné du terrain comme ça. Oh oui, main opposée Richard. Fabuleux. C'est vrai que c'est un sport d'homme, il y a un peu de contact à des moments. Lucas n'est même pas allé jusqu'au bout, tiens à le dire. C'est peut-être vrai. 3, 2, 1, go! Quand il n'y a pas de triche les gars, on est assisté à la première édition de la Ligue 1 Concorama de chaises roulantes. On est avec nos champions, on est avec le clear de l'équipe gagnante, qu'est-ce que t'as à dire le clear? BOOM! En tout cas ça c'est notre métier, c'est bon? Mais où sont tes talents de... Ah, je fais pas de test de qui? A few moments later. 45 secondes par question. Ça va bien se passer. Ça va se passer. C'est quoi en dessous de la lettre? En dessous de la lettre. Y'a rien en dessous de Thierry là. Ça me saoule. Bah l'initiale de Thierry. Y'a rien en dessous de C. Ah merde. Non mais c'est pas grave, continue. Tu as quel âge? Vita, tu as quel âge? Mais non. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire une chose. Ça ne veut absolument rien dire, les gars, ok? Laissez-moi vous dire une chose qui est certaine dans la vie, ok? L'intelligence, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment le QI? Est-ce que c'est vraiment un chiffre? L'intelligence, c'est de sortir des tranchées en premier et de faire, les gars. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas, vous ne pourrez pas être intelligent. Vous n'êtes pas intelligent si vous considérez que votre intelligence est limitée au QI. Vous n'êtes pas intelligent, mesdames et messieurs, si vous ne faites rien de votre intelligence. Je suis désolé, les gars, d'avoir trahi ma communauté, trahi des gens qui avaient confiance en moi. C'est aussi pour ça que je suis streamer, les gars. Parce que je ne suis qu'un pauvre dans cette QI. Je suis qu'un pauvre 107. Ok les gars, qui pour le cours de Krav Maga? Qui? Vous l'êtes-il? Elle est où ma photo? Oh, je l'ai. Au pire on peut en faire plusieurs. J'arrive les gars, j'arrive.
Bonjour. Elle est à chier. Tu sais ce que c'est, Krav Maga, ou pas? Tiens, je te laisse enfiler cette ceinture de sécurité pour éviter que tu t'envoles. Gros, Krav Maga, c'est self-defense. Bon, pendant... Elle s'est attachée, les gars, vous avez vu? Elle est attachée. C'est surtout pour se dégager d'une situation qui est délicate, ok? Quand un gars, il te chope comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, non. Alors, on va éviter ça. On va éviter. Techniquement, elle a raison. Elle marque un point. Imaginons, le mec, il a pas de couilles. En gros, que tu veux faire? Réaliste, hein, vas-y, réaliste. Ok? Voilà, et là tu chopes ici, tu passes ta main comme ça en autour, ok. Là ici tu vas plaquer là, ici. Tu lèves le bras comme ça, tu tournes comme ça. Et là tu vois tu peux partir tes mains. Et là boum. Et là tu vois je peux te mettre des coups ici comme ça. Ok, tu veux essayer? Tu veux quoi toi? Tu veux quoi? Oh merde putain, j'ai chopé les... j'ai chopé ces angles de... Ok. Tu veux quoi toi? Tu veux quoi? Non, jamais en dessous. Au dessus, ok. Tu plaques. Voilà, c'est... tourne. Voilà comme ça. Et là, moi, je peux pas retirer. Non, c'est la gueule. Voilà, la gueule. Bon, bah, merci beaucoup. J'espère que t'as apprécié le cours et j'espère que ça te servira à quelque chose. Tiens, tu peux enfiler ta ceinture de sécurité au cas où, pour éviter que tu t'envoles. Krav Maga, elle a dit. Aïe. Mais on va se toucher, genre, on va s'agripper. Vas-y. Elle a dit, chope-moi les gars. Yeah. Une motivation à toute okay. Épreuve. Attends, vas-y, étrangle-moi. Juste. Mais attends, mais là, tu sécurises là, ici là. Ah, c'est faire, oh merde. Merci. Hop, t'as. ouais, ça, ok. Tu chopes son poignet, ok. Et tu veux tourner pareil. Ça, c'est très difficile. La prise de l'assassin, c'est quasiment impossible de s'en sortir, ok. Ça, c'est la prise de l'assassin. Donc là, en fait, tu veux tourner en tirant. Tourner en tirant, voilà, et ça fait que ça relâche. Non mais t'étranges vraiment en fait toi là. Mais comment tu fais là? C'est quoi ça? Comme ça. Ok les gars, c'est bon enfant. Si je n'aime pas les Alpha, tu sais que ce serait marrant de le faire. Alpha, il me fait une prise d'assassin, je meurs. Non mais je peux pas, je meurs. Bah il y a des moments où t'es mort, tu vois, il faut accepter la mort. Ok bah merci Magla. Là je dois ramper jusqu'au stream de Zera. Oh merde. De la dirt, absolument, de la terre, c'est normal. Je crois que c'est tout, alors que les revoilà. Attendez une seconde. Attendez, mais y'en a un qui s'est presque joué là. C'est toi ou c'est pas lui? C'était le slow le moins physique des slows. Qu'as-tu fait, Locklear? C'est quoi ce clip? Comment ça, tu fais un clip comme ça? Ouais, que j'utilise mes deux mains ou quoi? Gang ou quoi là? Même 1€ ça compte. Yes! Ouais? Ah bah non, ça c'est pas à toi ça. Ce sera jamais à toi ça. Ça c'est Dash ou Zerator ça. Non c'est impossible, je peux pas te l'accepter. Et pourtant je t'accepte beaucoup de bruit hein. Mais ça je peux pas. Bonne soirée. Mon grand-père est arrivé. Salut grand-père. Papy. Oui papy, regarde. Ok papy, alors le but c'est que tu commences et je te rejoigne. Ok, on va faire un concert. Ok. Navré, le micro s'est débranché et du coup on a fait c'est cool parce que du coup on vous a un peu sauvé la vie. Une petite dizaine de secondes du coup. Ok. Oui vas-y on va capturer ça, Vas-y, je te suis papy. Oui, là, allô. Attends, en train de tourner. Attendez, caméra 3. Caméra 3, visiblement, Adrien est pris de toutes parts par des moult caméramen et journalistes. Je crois que c'est le bon moment d'ailleurs. Écoute,
t'as quand même une touche très stridente. Ah, j'aime beaucoup. C'est ça, moi, non, mais c'est vraiment. Vous voyez, moi j'ai une touche un petit peu plus grave. Et lui, il est très strident. J'aime beaucoup ça. Serra n'est pas trigger, justement. Ah, là, c'est assez prononcé. Imitatif du côté. C'est un peu difficile là-dessus. Hein, ah oui, il a une flûte de pan. Vous avez reconnu, c'était notre café. Bon. Merci, papy. Merci. Ah, c'est bon. Merci. Donc on fera une libre antenne, alors moi comme je vous dis ça fait un an et donc mes streams, je suis un streamer que WoW et j'ai Attends, j'avais dit que j'étais quelqu'un des qui était facilement ému. On m'a dit de te faire un câlin. Vas-y, viens me faire un câlin si tu veux.